Yo tout le monde, c'est Apollon, aujourd'hui on se retrouve pour la boutique du 13 octobre 2023. Avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à me soutenir en mettant le code créateur 4TT dans la boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas à liker celle-ci. Du coup, j'espère qu'il y aura des skins intéressants. Bah déjà, pas de nouveaux skins, je suis triste. À quand qu'ils nous mettent Jack Skeleton ou Michael Myers, comme je vous ai dit, les deux skins que j'attends. Je n'en peux plus, ça devient long. Aucun des nouveaux skins d'Halloween n'est encore arrivé, même si c'est pas eux, il n'y en a aucun. Bref, voilà. Du coup, on a le retour du pack Flamme Fugitive. On a... Ah si, un ancien skin qui est revenu, je viens de voir ça. Mais bon, c'est pas celui-là qui est... Voilà, c'est des anciens skins qui reviennent. Moi, c'est les nouveaux que je veux... Mais bon, Fortnite, on les connaît maintenant. On a Fiévreuse qui fait son retour. Il y a Violon Rikiki. Ils abusent au fait, ils mettent juste un bout de violon avec tes doigts qui font comme ça. C'est pire arnaque, c'est dedans ça. Du coup, on a le retour de Pac Asm William. Du coup, on a William. On a son livre, bah son sac à dos, son deuxième sac à dos, sa pioche qu'on peut utiliser avec lui. Sa danse par contre, qui est sympa. Oh, elle est passée en verte l'année dernière, elle était en épique. Et son écran de chargement. Bon là, on a ce qu'il nous dit ici. Merci aussi à Vegeta pour la danse Maître Martial. Voilà. Tu passeras dans le short TikTok de chaque fin de mois, tout ça. Mais sinon, les boutiques nulles, parce que regardez, ils nous mettent les skins DC, là, je passe très vite. Là, on a les skins icônes. On va même pas avoir les skins Fortnite Nightmare en plus. Vous allez voir, voilà, clac, clac. Voilà, je sais pas ce qu'ils foutent, mais et pour la peine, la boutique, je mets un 3 sur 10. C'était Apollon. N'hésitez pas, à vous, en tout cas, à noter cette boutique sur 10. C'était Apollon. À plus tout le monde.